Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc mes produits finis. J'ai mon petit panier qui s'est bien rempli. Donc il est temps de jeter tout ça. Voilà, de dire ce que je rachète, ce que je rachète pas, etc. Donc on va commencer par ça, ça vient de chez Action. C'est des petits sels de bain, dedans c'était le vert et le jaune. Les enfants à chaque fois qu'on va à Action, souvent ils en reprennent un une fois qu'il n'y en a plus. Ils aiment bien, ils mettent ça dans leur bain et tout. Ça colore pas plus que ça le bain, mais... ils aiment bien, donc oui, on rachète assez souvent. Ensuite, j'ai ce gel douche Yummy Candy de chez Adopt, qui était comme ceci, que j'avais acheté pendant les soldes d'hiver. Est-ce que je vais racheter, est-ce que je vais pas racheter? Là, c'est les soldes, donc je vais peut-être en racheter. Quoique là, j'ai quand même un plein de gel douche. Si je passe devant Adopt, j'en rachèterai peut-être pas forcément celui-là, je l'avais bien aimé. Il sentait bon, j'ai fait quand même longtemps avec, hein. Genre je me suis pas lavée. Ouais, il sentait bon, le bonbon, quoi, le sucré. Oui, ça, c'est quelque chose que je rachèterai si je passe devant. Si je passe pas devant, bah, c'est tout, quoi. Enfin, voilà. Sinon, c'est oui. Là, j'ai ce démaquillant pour les yeux et pour les lèvres extra doux biphasé de chez Sephora que j'avais acheté pendant les soldes, je crois qu'il y a 2 ans. Est-ce que je le rachèterai? Non, franchement, je le rachèterai pas. Et puis, de toute façon, je le vois plus en rayon. Je l'avais aimé, mais sans plus. Vraiment... ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été sans plus. Je l'ai mis du temps à le finir tellement que je l'avais pas aimé. Mais voilà, ça a été sans plus. Et c'est quelque chose du coup que je ne rachèterai pas. Ensuite, là, nous avons le gel douche Dove douceur d'enfance en parfum brownie au chocolat. Et franchement, ça, c'est mes enfants qui utilisent ça. Mes enfants, je les aurais mangés. Franchement, mes enfants, je les aurais mangés. Ils sentaient divinement super bon. Divinement super bon. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Et franchement, il sent vraiment brownie. Ça sentait vraiment le chocolat. Ça, oui, c'est quelque chose que je rachèterai. Et souvent, ça, je les achète à Action. Mais oui, ça, c'est sûr et certain, je les rachèterai. De toute façon, mes enfants m'ont réclamé. Maman, il faut racheter du savon au chocolat. Donc ça, oui, je rachèterai. Là, j'ai ce petit masque Fruity Face Sheet Mask Hydrating de chez Action. Est-ce que je le rachèterai? Est-ce que je le rachèterai pas? Je sais pas. Depuis que j'ai fait mon masque... c'est la fête au bouton. Donc je sais pas si c'est lui. Je sais pas si c'est autre chose. Parce que en ce moment j'ai mis une nouvelle base que je mettais jamais. Mais depuis que j'ai fait ce masque là, c'est la fête au bouton. Donc pour l'instant je rachèterai pas. Franchement je sais pas. J'ai pas envie de dire oui, j'ai pas envie de dire non. Ça sera un je sais pas. Ensuite là j'ai 2 paquets de lingettes de chez Sephora que j'avais acheté pendant les soldes. Est-ce que je rachèterai? Oui, quand ça sera les soldes. Bah, c'est les soldes à l'heure actuelle. J'ai fait les soldes, je suis sortie avec 0€. Donc je sais pas si vous aurez des hauls soldes parce que franchement il n'y a rien du tout. Donc c'est des trucs que oui, je rachèterai en promotion bien sûr. Et à chaque fois on le rend en cadeau gold. Donc c'est des trucs que je rendrai. Et en plus ça dans mon panier il est vide. Donc il faut que je rachète des lingettes. Au pire j'ai réaction, il y a des lingettes. Ensuite j'ai ce shampoing et après shampoing de chez Herbal Essence. Donc moi j'ai pris le réparation d'origine naturelle, l'huile d'argan, etc. Est-ce que je rachèterai? Oui, je rachèterai. Depuis que j'ai acheté ces produits là, j'ai senti une petite différence en mes cheveux. Et même si j'utilise, et j'ai perdu mon gel douche à terre, même si je n'utilise que le shampoing, franchement mes cheveux ils sont doux. Enfin voilà, je l'aime bien. Après réparer, franchement moi je n'y crois pas, la réparation. Quand ton miroir il est cassé, tu peux pas le réparer. Bah tes cheveux quand ils sont cassés, tu peux pas la réparer. Enfin moi je le vois comme ça, enfin bref. Quand tes fourches au bout elles sont cassées, tu peux pas venir réparer des fourches cassées. Moi j'y crois pas au produit miracle, franchement. Moi je crois pas au miracle des cheveux, enfin on voit. Ensuite j'ai un petit truc comme ça de chez Yves Rosset, bain douche à mam. À l'argan et à la rose de chez Yves Rosset du coup. Est-ce que je le rachèterai? Non, pas forcément. Je suis pas une grande fan de Yves Rocher, je suis pas une grande fan des shampoings, tout ça d'Yves Rocher. C'est pas les trucs sur lesquels je me penche. Quand j'étais plus jeune, je faisais des réactions allergiques aux produits Yves Rocher. Donc à l'heure actuelle aujourd'hui, peut-être pour ça que je me penche plus forcément sur les produits Yves Rocher. Alors que je fais plus de réactions allergiques, mais c'est plus un magasin sur lequel je me... enfin, voilà. Ça, je rachèterai pas. Peut-être que c'est un jour je passe devant, que c'est en promo, que ça vaut le coup ou quoi peut-être. Mais sinon c'est un je n'achète pas. Ensuite, donc là, encore de chez Dove, un douche crème douceur d'avance, pomme d'amour. Donc ça, oui, bien sûr, je rachèterai, les enfants, ils adorent. Donc ça, Dove, dans mes produits finis, à chaque fois, vous en avez, mais voilà. Ensuite, encore de chez Adobe, j'avais ce gel douche délice en santé. Je l'avais bien aimé,
Donc pareil, c'est comme l'autre, si je loue, si je tombe dessus, si je fais des soldes, si je passe chez Adobe, que ce soit en promo, etc. Oui, bien sûr, je rachèterai. Je ne vais pas l'acheter à son prix fort. Je vais attendre les soldes, je vais attendre les promos pour l'acheter. Ça revient moins cher et comme ça, j'en prends plus. Donc ça, oui, c'est un truc que je rachèterai. Peut-être celui-là, pas le même parfum, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, oui, je rachète. Après, j'ai ce soin de chez Action Rétinol. Bah écoutez, moi j'ai vu aucune différence sur ma figure. Enfin, ça m'a rien fait de ouf. Enfin, le jour où j'ai testé, j'avais fait plusieurs. C'était une soirée soin et j'avais vu un changement sur mon visage. Mais je ne pense pas que c'est à cause de lui, mais plutôt des soins que j'ai l'habitude de mettre. Mais je pense pas que c'était grâce à lui, franchement. Enfin, ça m'a peut-être fait quelque chose, j'ai pas fait attention. Voilà. Ensuite, j'ai deux anti-cernes de chez Makeup Revolution. Donc, j'ai celui-là, le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Mais, enfin, oui et non. Oui, je le rachèterai parce qu'il était bien. Et non, je le rachèterai pas parce que, à l'heure actuelle, j'en ai pas besoin. Mais sinon, c'est un truc que, oui, je pourrais racheter. Il était bien. Il a fait son job. La couvrance, ça m'a convenu. Nickel, j'ai rien à dire. Ensuite, celui-là, ils sont vieux, les Conceal Undefined de chez Makeup Revolution. Est-ce que je le rachèterai? Bah franchement, oui, je le rachèterai. Bah, c'est comme l'autre, hein. Oui et non, j'avais bien aimé son embout, j'avais bien tout aimé. Mais à l'heure actuelle, j'en ai pas besoin, donc je vais pas me jeter dessus aujourd'hui. Mais sinon, ça sera un livre. Oui, je pourrais racheter en fait. Je pourrais. Il y a une bougie suite aux idées Vibe de chez Sephora. L'odeur. Pourquoi je l'ai fini? Ah, c'est la bonne. Ah, c'est trop bon. Je l'adore. Franchement, je la conseille. Elles sont juste divinement bonnes, elles sont longtemps. Enfin, franchement, ça, si je la trouve en solde ou quoi, elle est en solde de toute manière, je crois. Oui, ça, c'est un truc que je rachète, que je rachèterai, que je rachèterai tout le temps. Ensuite, j'ai ce gommage exfoliant de chez Ole Eriksson au citron. Donc, ça, oui, je rachète, je rachèterai. J'en ai encore un dans ma salle de bain qui est presque fini. J'ai encore un ou deux en stock. Ça oui, je rachète, je rachèterai. Ce produit là, franchement, je l'adore. Sur mon visage, je sens une différence. Je l'adore, par contre, si vous avez la peau, on sent les granulés, hein. On le sent. Mais si vous avez la peau pas beaucoup mouillée, enfin juste humidifiée, c'est désagréable. Donc moi celui là, je m'en sers sous la douche. Comme ça j'ai bien l'eau trempée, bien humidifiée, bien mouillée. Et les granulés, on les sent moins. Mais sinon, sur peau presque pas mouillée, ça vous arrache le visage. Moi la première fois que j'ai mis ça, c'était toute rouge, mais rouge. Et j'ai dit, plus jamais je vais l'utiliser. Et j'ai dit, vas-y, je vais l'essayer sous la douche. Figure bien trempée, etc. C'était nickel. Mais sinon, je l'aime bien. Ensuite, j'ai ce nettoyant, lissant, exfoliant et éclat de chez Sephora. Je l'avais bien aimé. Oui, je pourrais le racheter. Là, pour l'instant, j'ai plein de nettoyants. J'aimerais vraiment vider mon stock à tous les produits, tout que j'achète à chaque fois pendant les soldes. Pour les coffrets que j'ai, je vais essayer et tout. Mais sinon, ça oui, c'est quelque chose que je pourrais racheter. Je l'avais bien aimé. Il faisait très très bien son job, franchement, très très bien. Donc ça oui, je rachèterai sans problème. J'ai encore un gel douche de chez Yves Rocher. Donc ça, j'avais acheté pour la soirée parce que ça valait le coup et que je voulais le cadeau. Donc c'était à l'orange fondante et franchement, il sentait vachement l'orange. C'est la collection de Noël. Alors maintenant, il sent l'orange périmé. Ah. Mais sinon, il sentait bon. Mais là, il sent l'orange périmé. Est-ce que je rachèterai? Bah non, parce qu'il est plus en magasin, je crois. Mais sinon, c'est comme l'autre. Hein. Si se passe devant sans promotion, je le prendrai. Mais sinon, je vais pas me jeter dessus. J'ai un déodorant, mon savon, fleur de lotus, presque divine. C'est un déodorant. Voilà. Il a fait son job. Il a fait son job. Voilà, c'est un déodorant. Est-ce que je rachète? Je rachèterai. Moi, je prends jamais le même. Donc, je prends ce qui vient. Il n'y en a plus dedans? Ah non, il n'y en a plus dedans. Le démaquillant de chez Beauty Bay, ça c'est un truc sûr que j'achète, que je rachèterai, que je rachèterai, que je rachèterai. Je l'adore, je le conseille, il fait très très bien son job, il démaquille très très bien. Franchement ce truc là, je le conseille. Les yeux fermés, vous pouvez y aller. Ensuite j'avais acheté un petit coffret de chez Moro Canol pour hydrater les cheveux. Donc il y avait le shampoing, l'après-shampoing et le soin. Et dedans il y a aussi une huile, l'huile je l'utilise, je l'aime bien. Mais par contre les soins, je n'ai vu aucune différence sur mes cheveux. Je les trouvais secs, au contraire ils sont hydratés et je les trouvais secs. J'ai pas du tout aimé, ça m'a quand même coûté 50€ le petit kit. J'ai pas aimé, sur mes cheveux j'ai pas aimé. Donc ça c'est un truc que je ne rachèterai pas. Mais l'huile qui est pas finie,
je rachèterai sans problème, mais ça, je rachèterai pas. Je rachèterai pas. J'essaie de liquider mon stock de mascara aussi. J'ai ce mascara, le Time Girl de chez Too Faced. Alors, je l'ai adoré à l'achat, mais par contre, au bout d'un mois, il était déjà sec. Franchement, j'ai l'impression que les mascaras de chez Too Faced, en un mois, c'est fini. Tu l'oublies, il est sec de chez sec, tu peux plus rien faire avec. C'est dommage, je l'aimais bien, je sais pas franchement si je le rachèterai. Parce que je suis quand même assez déçue, 30€ et au bout d'un mois c'est déjà sec. Donc pour l'instant ça serait un non. Dites-moi si vous avez le même avis sur les mascaras de chez Too Faced. Ils sont bien, mais au bout d'un mois tu l'oublies. Donc ça sera un je rachète pas. La Peach Perfect de chez Sephora. On peut l'acheter à Sephora. De chez Too Faced, oui je le rachèterai, je l'ai encore en miniature. Mais un de ces quatre, à chaque fois je la rachète en miniature. Un de ces quatre, je vais acheter la rose parce que franchement, cette poudre-là, un réel coup de cœur, je l'adore. Je l'adore, je la conseille, à chaque fois je la rachète et à chaque fois je prends en miniature. Mais un de ces quatre, je vais l'acheter en grand format, vous inquiétez pas. Ensuite, j'avais un petit de 25ml de chez Sephora, le démaquillant. Je l'ai bien aimé, c'était un biphasé. Je l'ai bien aimé, mais qu'est-ce qu'il était gras. Si vous nettoyez pas votre figure après derrière, c'est foutu. Il était hyper gras. Il a fait son job, je l'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Oui, peut-être. Peut-être. Mais voilà, il a fait son job. Donc c'est un truc, oui, peut-être que je pourrais racheter. Ensuite, j'avais ce déodorant naturel de chez Respire. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment bien. Moi, je l'aime bien. Franchement, moi, je l'aime bien. J'avais pris en miniature deux fois pour tester. Et je pense qu'un C4, je vais le racheter en grand. Parce que franchement, je l'adore. Et je vois quand même la différence. Quand j'utilise un déodorant, ça fait son job, ok. Mais quand j'utilise lui, j'ai quand même une petite différence. Donc ça, c'est un truc que je rachèterai. Ensuite, il y a cet exfoliant, les chaussettes anti-callosité, je sais pas trop quoi, là, de chez Action, qu'on met notre pied dedans pendant un certain temps. Et après, dans les jours à venir, il y a la peau qui pèle. Mais moi, ça m'a rien fait. Peut-être que moi, j'en ai pas besoin. Donc je rachèterai pas. J'en ai peut-être pas besoin si ça m'a rien fait. Mais non, ça m'a rien fait du tout. Donc, c'est que mes pieds n'en ont pas besoin. Voilà. Donc je rachèterai pas. Il y a cet anti-cerne de chez Max & More que j'ai fini. Je l'ai bien aimé. Est-ce que je pourrais racheter? Oui, je pourrais le racheter. Mais à l'heure actuelle, j'en ai pas besoin. Donc aujourd'hui, non, je vais pas le racheter. Mais sinon, c'est un tout petit prix. Oubliez l'action. Je vous le conseille. Franchement, il est très, 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 très bien. Ensuite, j'ai cet eyeliner de chez Huda Beauty que je l'ai presque pas utilisé. Ce truc, il est... Il n'y a plus rien. Il est sec. Franchement, il est sec. J'ai bien aimé la mine. Mais pareil, au bout d'un mois, voire 15 jours, bah c'est fini, je ne pouvais plus l'utiliser. Il est hyper sec. Il n'y a plus rien dedans. Il sèche hyper vite. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Est-ce que je suis tombée sur un défectueux ou quoi? J'en sais rien. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez, ce que vous en pensez. Mais à l'heure actuelle, ça, je ne le rachèterai pas. J'étais dégoûtée. Ensuite, j'ai ce crayon à sourcils de chez Sephora. Donc, il y avait un côté goupillon, un côté crayon. Est-ce que je le rachèterai? Oui, ça c'est un truc que je pourrais racheter. C'était ma teinte, c'était très très bien travaillé et tout. Sans problème, donc oui, ça je pourrais racheter. Ensuite, il y a la base de chez All Nighters. Donc c'est un petit échantillon et tout que j'avais testé. Je l'avais bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Bah non, de toute façon on ne peut plus acheter du Urban Decay en France. Donc je le rachèterai pas. Ensuite, j'avais ce soin de chez Origins. C'est le soin hydratant mat à l'épilobe, donc c'était celui-ci. Franchement, je l'avais bien aimé. Ça, c'est quelque chose que oui, je pourrais racheter, mais avant, comme je dis, j'ai énormément de trucs à finir. Donc pour l'instant, niveau soins, on va essayer de pas acheter. Mais si je vais à Sephora, qu'il y a des coffrets de soins, je risque peut-être de craquer. Mais je l'avais bien aimé. Franchement, j'avais bien aimé. J'aime bien la marque Origins, etc. Et franchement, ouais, top. J'ai rien à dire. Ma peau aussi l'a bien aimé. Et ensuite, il y avait une paire de fossiles de chez Amor US, c'était les Silk. J'ai marqué oui derrière, donc oui, ça je les rachèterai. J'aime beaucoup les fossiles de chez Amor US, j'aime beaucoup. Ça c'est quelque chose que oui, je pourrais racheter. Du coup, je vais le garder sur le côté pour garder la référence. J'ai marqué oui derrière, comme ça moi je savais déjà ce que j'allais dire. Donc oui, ça c'est quelque chose que je rachèterai. Ils sont très très bien, leurs fossiles à travailler, etc. Franchement, je les adore. Et ils sont cruelty free et vegan. Donc voilà. Je vais garder dans mon panier, comme ça je serai quand même pour la prochaine commande. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de mes produits finis. Je rachète ou je rachète pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez des produits que j'ai présentés, que vous aimez, que vous aimez pas ou quoi. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!